Bonjour les amis, toujours dans le cadre de la loi d'attraction, aujourd'hui la partie 8, je m'aime et je m'estime coûte que coûte. C'est parti. L'amour et l'estime de soi est la base fondamentale pour vivre une existence épanouie, et ce, quel que soit le domaine de notre vie. Si je passe ma vie en rasant les murs tout en courbant les chines et en m'excusant de vivre, c'est que je suis pétrie de cette croyance racine que je ne suis pas digne d'être aimée, que je suis quelqu'un dont les capacités sont limitées, que je peux me sentir même illégitime. Parfois même, certains se sentent comme une imposture. Alors la conclusion de tout ça, je n'ai pas le droit de m'affirmer. Pire, je n'ai pas le droit d'exister. Le doute m'envahit en permanence. Je doute des autres, je doute de moi, de ma vie, de ma situation, de tout. Je suis comme dans des sables mouvants, rien n'est solide autour de moi. Je suis une espèce de point d'interrogation vivant. Alors fort de cette programmation terrible, pour cette programmation intérieure terrible, je vais avancer, brinque-baller de droite et de gauche, en taisant qui je suis, parce qu'au fond, je ne sais pas qui je suis. Et dans cette situation, comment je peux identifier mes besoins, mes propres besoins? Pour cela, il faut savoir qui l'on est d'abord. Et puis, à vouloir me mouler au desiderata des uns et des autres, je suis sans cesse submergée par leurs demandes, leurs exigences. Et je vais me sentir dépassée, accablée, comme écartelée. Puisque je n'ai pas dit qui je suis, les autres vont le définir pour moi, mais à leur convenance, à eux. Ces fonctionnements sont totalement inconscients. Le signal qu'on envoie, c'est « bon, avec moi, c'est foire à la saucisse tous les jours ». Et ceux qui vont capter ce message, précisément, ça ne va pas être les braves gens ou les belles personnes. Puisque d'une certaine façon, je donne le bâton pour me faire battre. Je vous le donne en mille. Qui va se présenter? C'est les cogneurs. C'est eux qui vont être attirés à moi. Alors la bonne nouvelle, entouré par de tels amis, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà, ouais, je plaisante. Alors, c'est quoi le manque d'estime de soi? Ça va nous rendre vulnérables, puisque l'on est prêt à tout pour que les autres nous aiment et nous acceptent. On a donné le pouvoir à l'autre, faute de nous l'avoir donné à nous-mêmes. Et cette vulnérabilité, un peu comme une lacune, nous empêche de faire preuve de discernement face à certaines attitudes, pas toujours bienveillantes à notre égard. Nous sommes nés avec cette petite voix intérieure. Alors on peut l'appeler ego, on peut l'appeler mental, qui s'est forgé dans des croyances, dans une programmation interne. Alors après on peut aller chercher nos parents, nos éducateurs, l'école, tout ce qu'on veut. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette voix elle est là, elle nous susurre à l'oreille qu'on n'est pas important, loin s'en faut, que les autres en revanche sont plus importants, sont plus doués, sont plus beaux, on leur prête des qualités presque surhumaines. On est tellement des petites choses à côté, que nous, on n'a qu'à se taire, nous faire tout petit, même si on pouvait fondre dans le paysage, ce serait bien. Alors, on se nie au désir et aux besoins de l'autre. On a tout remis entre leurs mains. On s'est dépossédé. C'est une véritable tragédie quand même. Cette dévalorisation de soi, elle nous empêche d'aller de l'avant, d'avancer, ou de prendre même la moindre initiative. N'oubliez pas, on est dans des sables mouvants, on ne peut pas prendre appui, il n'y a rien de solide autour de nous. Et oui, et du coup, bien sûr, on n'a pas foi en soi. Et on n'a pas foi en ce que l'on ressent, à ce que l'on est réellement. On est toujours dans le fantasme, dans une idée de ce que l'on est. Il n'y a rien de réel dans tout ça. Et on stagne, on est dans une espèce de léthargie de vie. Moi, j'aime bien l'appeler le minimum syndical d'existence. Alors, il peut arriver, c'est vrai, pour certaines personnes de compenser. Elles vont se bricoler une fausse personnalité. Je crois qu'on dit en psychologie le faux self, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors voilà, qui sentira le faux à des kilomètres, et le résultat est aussi pitoyable, c'est pas terrible non plus, parce qu'il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien de sincère là-dessous. Alors l'amour et l'estime de soi, en quelques mots, l'amour et l'estime de soi, c'est d'abord avoir confiance, une saine confiance dans ses capacités, dans son potentiel. On se fie à ce qu'on est, on n'est ni en bas ni au-dessus, on se sent à peu près
serait l'égal de l'autre. Hein. On en a conscience, hein, sans arrogance, sans vanité. Hein. Quelquefois, on peut même faire preuve de lucidité face à nos défauts, nos travers, mais ça ne va pas remettre en question ce que l'on est. Hein. En fait, quand on a une bonne estime, une bonne amour de soi, un bon amour de soi, on assume tout ce qu'on est, on assume. Par exemple, c'est la personne qui a une bonne estime, un bon amour de soi et une bonne estime. Et ben, si elle rencontre une difficulté au travail, par exemple, ou elle a commis une erreur, hein, peu importe laquelle, hein, elle va pas se sentir diminuée. Elle va pas se sentir d'un coup envahie par le doute de ses capacités. Le problème, la difficulté, l'erreur qu'elle a pu commise, elle va s'en tenir au fait, rien qu'au fait. Et elle va être affectée à la hauteur de ce qui s'est précisément passé. Le problème, la difficulté ou peut-être l'erreur qu'elle aura commise, elle ne va pas l'assimiler à ce qu'elle est. Alors que l'autre personne, celle qui souffre d'amour et d'estime de soi, alors elle, ça va être un désastre. Elle va l'assimiler. Cette erreur, ça va être elle. Hein. En fait, elle va représenter l'erreur. Hein. Elle sera l'erreur, elle sera la difficulté, elle sera l'échec. Elle va pas faire de dissociation. Hein. Tout va être comme un tsunami hein, en elle. Elle va être touchée en plein cœur. Ce qu'elle est totalement, tout ce qu'elle est va être remis en question. Et sa souffrance, elle va être aussi intense que totalement disproportionnée. Pour vous faire une petite comparaison, bah, prenez une personne en faiblesse immunitaire et une autre en bonne santé. Toutes les deux, elles attrapent un rhume. Là où la seconde va s'en sortir avec une aspirine, pardon, un grog et une bonne nuit de sommeil, et ben la seconde, elle va être clouée au lit, voire hospitalisée. Et je peux vous assurer que l'aspirine n'aura aucun effet sur elle. Voilà, c'est un peu pour vous montrer quand on souffre d'estime et d'amour de soi et quand on possède un bon amour et une bonne estime de soi. Alors, comment je peux acquérir ou voire augmenter l'estime et l'amour de soi? Alors, c'est sûr que pour certains, oui, cette tâche, elle peut s'avérer difficile. Hein. Certains sont tellement perdus à force de vouloir se complaire aux desiderata de l'autre, des autres. De leurs parents, de leurs enfants, de leur famille, de leurs cousins, de leurs amis, de tout leur environnement, que pour certains, c'est vrai que ça va s'avérer beaucoup plus difficile, hein, parce qu'ils n'ont pas idée ils n'ont pas identifié vraiment leurs besoins, parce qu'ils ne savent pas véritablement qui ils sont. Hein. Alors, le truc, c'est quand même commencer par définir ses valeurs propres. Hein, ce sur quoi on ne veut pas tergiverser, hein, ses valeurs à soi. Hein. Alors pour ça, il faut s'écouter. Hein, on va commencer par identifier cette valeur, hein, en disant ça, là-dessus, je ne transigerai pas. Hein. Et puis on va essayer d'identifier ses besoins. Pour ça, il faut être vraiment être à son écoute parce que pour les gens qui souffrent de ce dysfonctionnement hein, de l'amour et d'estime de soi, c'est vraiment un exercice totalement nouveau. Ils ne savent pas faire ça et être à son écoute, ils ne savent pas puisqu'ils sont toujours dans l'autre, dans le regard de l'autre, dans ce que pense l'autre, dans l'approbation de l'autre. Hein. Alors, pour cela, hein, comme je les appelle, ceux qui sont vraiment dans un profond désamour pour eux, pour moi, il me semble que ce qui est pas mal, c'est d'identifier ce qu'ils ne veulent pas vivre. Hein. C'est quand même plus simple. Hein, voilà. Ça, je veux pas de ça. Ça, je sais que j'en veux pas. Hein. Parce que pour cela, ceux qui sont dans le désamour d'eux-mêmes, ils n'en sont pas encore à identifier leurs besoins. Hein. C'est encore une étape un peu au-dessus, si je puis dire. Hein. Alors, ça va être une manière de délimiter ses périmètres. On commence comme ça, on délimite son périmètre sur soi, c'est-à-dire on commence pour la métaphore, on commence à poser la clôture. Une fois que la clôture est posée, eh ben, le périmètre commence à bien se dessiner, il est bien délimité. Alors voilà, il y a la clôture, je suis là, on ne dépasse pas on passe pas derrière la clôture. Là, c'est chez moi, quoi. C'est moi. Hein. C'est déjà en commençant à poser cette clôture, à délimiter son périmètre, en sachant ce qu'on ne veut pas,
Déjà, l'identification de mes besoins va se faire comme ça, va émerger vraiment très progressivement et tout à fait naturellement, hein. Alors oui, bien sûr, je me recentre sur moi et je suis à mon écoute, hein. Quand je me ressens et je m'écoute, c'est-à-dire que j'apprends petit à petit à ne plus rechercher le regard et l'approbation de l'autre. Au contraire, je vais me reconnecter avec mon intériorité. Oui, ça fait un peu pompeux, je me reconnecte avec mon intériorité. Non, mais c'est vraiment ça, quoi, se reconnecter avec son soi profond, hein. C'est pour commencer à voir qui l'on est, hein, c'est ça. Hein. Et puis j'apprends à respecter et mes besoins, pardon, et mon rythme propre. Hein, parce que chacun, nous avons un rythme qui n'est pas le même pour Pierre, pour Paul, pour Jacques. Hein, voilà. Et comme ça, en retirant cette chape de plomb hein, qui nous a étouffés pour certains toute une vie entière. Eh ben, je vais reprendre naturellement ma place. Hein. Et puis, ma foi, je vais même la revendiquer. Et oui, on a du temps à rattraper. On va la revendiquer haut et fort. Hein. Et c'est comme ça que mon rapport aux autres va se modifier. Il va devenir plus authentique, plus fluide, plus sain, puisqu'on va être soi-même authentiquement soi-même quoi. On ne joue plus un rôle, on porte plus de masque. Hein. Et puis bien sûr, on va lâcher définitivement ce fonctionnement branché sur le pilotage automatique, hein, ce fonctionnement extrêmement clivant hein, et extrêmement néfaste. Hein. Quand on souffre d'estime et d'amour de soi, c'est un peu comme si nos contours étaient flous, étaient mal dessinés. Hein. Puisqu'on est soumis au choix ou au désir de l'autre. Hein. C'est en ça, quand je prends le mot périmètre, c'est ça, c'est les contours. Hein. C'est pourquoi les contours doivent impérativement être redessinés. Alors on y va, on reprend le stylo, on redessine son contour. Allez, vas-y, et on force même un peu le trait. On n'est plus à ça près. Les attitudes favorables pour rebooster l'estime et l'amour de soi. Il y en a plusieurs. Hein. D'abord, la première, pour moi, qui est importante, c'est soigner son apparence. Quand je parle de soigner son apparence, c'est pas être superbement habillé avec pour les hommes un smoking et pour les femmes une robe du soir, hein, non, évidemment. Vous savez, ces petites choses, par exemple, vous sortez, vous avez l'ourlet du pantalon qui est un peu défait, c'est rien, mais c'est tout. Hein. Ou alors le petit bouton, là, justement, de la chemise ou du chemisier pour les femmes qui est juste en dessous le col, là, qui se voit pas, mais bon, il manque le bouton. Voilà, ces petites choses, hein, ça révèle hein, ce qu'on est. Le peu de cas qu'on fait de soi-même. Hein. Alors voilà, des petites choses comme ça à recadrer, hein, soigner son apparence. Donc voilà, on recoud son ourlet, on remet son petit bouton. Hein, c'est vraiment c'est peanuts. Hein, mais vraiment, je pense que ça révèle beaucoup de choses. Hein, il faut prendre ses nouvelles habitudes. Voilà. Faire cas de ce que l'on est. Hein. Et puis aussi la persévérance. Hein. Je termine ce que j'entreprends. Quoi que je fasse, je termine ce que je commence. Hein. Donc, on peut poser un agenda en fractionnant les tâches qu'on a à faire, mais voilà, on commence, on termine quelque chose. Quand on ne termine pas ce qu'on commence en général, ça tourne en boucle dans sa tête et ça vire à la déprime. Se donner le droit à l'erreur. Hein, comme on disait plus haut, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on se donne le droit à l'erreur sans se remettre en cause. Hein. Ça veut dire que je supporte l'échec, je l'affronte. Hein. Je peux me tromper. Ça ne veut pas dire que je suis l'erreur. Hein. On fait la part des choses. Hein. L'erreur, voilà, j'ai fait une chose, j'ai merdé dans un domaine, au boulot, mais je ne suis pas emportée par le tsunami de la culpabilité. Hein. Et puis, on passe à l'action. On essaye de passer à l'action. Donc, on sort de son immobilisme. Hein, parce que l'immobilisme, c'est quoi? C'est pour éviter. Hein, on a peur d'affronter le réel avec sa corde de désillusion. Mais le réel comporte aussi du bonheur. Il y a de la joie et d'autres belles choses. Il n'y a pas que des désillusions. Alors, on prend le risque d'être vu et regardé. On prend le risque de déplaire, mais aussi de plaire. On prend le risque d'échouer, mais aussi celui de réussir. Je peux dire non. Voilà, j'ai le droit de dire non comme les autres. C'est-à-dire que ce qui ne me convient pas, hein, on revient plus haut dans le texte,
délimiter son périmètre. Non, là c'est la clôture, là c'est chez moi, c'est mon intériorité, je veux pas, ça me déplaît, je ne veux pas. Stop. Pas obligé de s'énerver, hein, juste non. Et puis la bienveillance, hein, toujours la bienveillance. Hein. Je vais essayer d'être bienveillant comme un parent aimant à l'égard de son enfant. Hein. Et puis je me pardonne, comme on peut le faire avec un ami. Hein. On sait pardonner, hein, on sait le faire, donc on le fait avec soi-même. Parce que cette nouvelle bienveillance à notre égard va libérer un potentiel et une énergie pardon, que l'on ne soupçonne même pas. Oui, quand je parle d'énergie insoupçonnée, parce que l'auto-sabotage hein, que l'on a pratiqué, hein, je suis bien placée pour vous en parler, pour en parler, l'auto-sabotage qu'on a pratiqué depuis des années a bloqué toutes nos potentialités, que ce soit créatif, que ce soit intuitif. Donc l'auto-sabotage, c'est vraiment quelque chose d'assez néfaste dans le blocage de l'énergie intérieure. Hein. Et puis essayer de passer du temps seul hein, et dans le calme. Ça c'est un bon truc pour réharmoniser son énergie vitale, hein, le chi comme on dit. Voilà, on va s'appliquer à être soi-même. Hein. C'est-à-dire on va prendre le risque d'être au devant de la scène et d'être vu tel que l'on est, ni pire ni meilleur que les autres. Oser être vu. De toute façon, on vit en permanence en interaction des uns avec les autres. Pour beaucoup, on vit dans des villes, donc on est vraiment tous en interaction. Hein, on est toujours sous le regard de quelqu'un. Hein. Donc, le regard que l'on a, nos jugements que l'on a sur les autres, mais les autres aussi qui peuvent porter sur nous. Hein, tout ça existe bel et bien. Alors, chercher à l'éviter, c'est de la pure folie. Hein. Personne n'y coupe. Hein. Alors le plus simple, hein, on va vers de l'authenticité, hein, on est soi-même. En conclusion, l'amour et l'estime de soi, c'est pas de la vanité, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'égoïsme. C'est juste la condition sine qua non d'être à l'aise dans sa vie. C'est être aligné avec soi, sans se travestir en portant un masque ou jouer le rôle qu'on nous a attribué depuis l'enfance. Je ne suis ni plus ni moins que les autres. Je suis simplement l'égal de mes congénères. Voilà les amis, la vidéo partie 8, je m'aime et je m'estime coûte que coûte est terminée. Je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air et puis abonnez-vous, ça sera encore mieux. Je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye!